Et salut à tous, c'est Dreamy Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une activité moto. Donc du coup, on va partir sur Bourganeuf, donc c'est la fête de la moto. Normalement, il y a un petit spectacle de stunt, peut-être une balade, quelques concerts et sûrement quelques stands. Donc on va les découvrir un peu tout ça, c'est la première fois que j'y vais. En attendant, on va rejoindre du coup les Asphalt Drinkers. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. A dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I play as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, I would get it. Push myself to the limit. If I play, then I win. I'm just living for today, for a million. I'm just losing, having shame. To see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to Nous allons faire la démonstration des gilets airbags avec notre volontaire. Je le sens déjà nettement moins volontaire. Il sait pas comment ça va se déclencher. Anthony à la Stintin. Oui, donc je disais, je vais quand même vous expliquer un peu le fonctionnement de l'airbag. Avant de tuer le jeune homme. Voilà. Donc ça, c'est une cartouche de CO2, simplement. C'est celle qui vous sert à gonfler. C'est pas tout à fait les mêmes, mais les dames, elles connaissent au niveau de la cuisine. C'est du CO2. Ensuite, on a donc le percuteur qui est ici. Quand je vais tirer, parce que ça normalement c'est relié à votre moto. Quand je vais tirer, ma chérie. Quand je vais tirer, ça va percuter. Le gaz part. Il fait tout le tour. Tu peux te retourner mon petit mannequin. Merci. Voilà. Alors je vais vous expliquer la particularité des airbags. C'est qu'en fait, c'est fait exprès pour vous protéger. La plus importante de votre corps, la colonne vertébrale. D'accord? Ici, ça va se gonfler. Vous allez voir, ça devient comme ça, mais c'est normal parce que c'est fait pour bloquer par rapport au casque. Là, je vais pas lui faire mettre un casque en plein soleil, mais sinon, c'est le principe. C'est qu'en fin de compte, c'est fait pour vous gonfler. Comme ça. Ça va lui bloquer la rachis cervicale. Voilà, ça va lui bloquer la rachis cervicale comme ça. Comme s'il avait une minerve en solide. Alors, bon, je vais pas l'étouffer, hein, parce que ça, vous allez voir que ça sert quand même un peu. Mais bon, ça se dégonfle quand même assez vite après. D'accord? Et voilà. Alors là, vous pouvez y aller. Moi, je peux taper dessus. Là, il sert à rien. Non, ça va. Mais... Voilà. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez venir toucher. Vous pouvez taper. Ça se dégonfle tout de suite. J'ai le droit de taper. Allez-y, allez-y. Essayez. Ça existe comme ça en gilet, où on peut mettre par-dessus n'importe quelle veste, n'importe quel t-shirt, n'importe quoi. Enfin bref, ça existe aussi dans... Ça existe aussi dans les vestes, c'est exactement le même principe. Dans les vestes, c'est exactement le principe, sauf que vous n'avez pas la partie textile qui est comme ça. Vous avez juste une housse qui se met dedans et le support est exactement le même. Voilà. Vous avez plusieurs principes. Vous avez le filaire, ce qu'on appelle le filaire. C'est ce qui est le plus... Enfin, c'est pas, j'arrive pas à dire, c'est ce qui est le plus fiable. C'est ce qui est matériellement, c'est ça, c'est technique. Si vous tirez, ça claque et puis c'est terminé. C'est moins rapide que les nouvelles technologies d'aujourd'hui où on a du numérique. J'ai pas pu en avoir ce week-end pour vous montrer, mais il y a des nouvelles technologies au niveau des airbags. C'est carrément le satellite en fonction de votre vitesse à vous qui déclenche. C'est-à-dire que si vous tombez avec votre airbag dans l'escalier, il déclenche pareil. Vous savez, que vous soyez en moto ou pas en moto, lui s'en fout. Si vous cassez la gueule dans la rue, vous avez l'airbag, boum, il déclenche. Voilà. Alors au niveau de la pression, quand c'est branché là-dessus, tout le monde au début c'est un peu, faut s'habituer quoi, à se débrancher, se rebrancher, se débrancher, se rebrancher. Mais il faut quand même savoir, c'est une pression de 15 à 20 kg quoi. C'est-à-dire quand vous descendez de la moto, ça vous retient quoi. À moins que vous, si vous tombez, bah forcément, poum, vous faites bibendum. Mais normalement 15-20 kg, vous le sentez quoi, ça vous tient. Laurent, on me demande le prix de l'airbag. Voilà, exactement. Il y a celui-ci, enfin ce modèle-là, il y a tous les prix aussi. Ça va entre 350 et les plus modernisés sont à plus de 2000 €. Voilà. Mais voilà, ce qui se fait de base, ça vaut entre 400 et 500 €. Hein, il se recharge automatiquement. Je vais vous le remontrer comment ça se charge. Une cartouche de CO2, c'est reparti.